Shutterstock Music. Je vois beaucoup de personnes qui font des erreurs de lisibilité, ce que nous allons voir dans cette vidéo. De mettre un texte clair sur un fond clair, au lieu de mettre un texte foncé ou un texte neutre comme le noir, sur un fond clair, incorrect et correct. Pourquoi ? C'est tout une question de lisibilité, parce que sinon vous allez massacrer les yeux de vos clients et de vos visiteurs. Les vrais graphistes, ce sont des professionnels de l'image. Eux, ils savent quelle couleur va avec un fond clair. C'est très important ce que je vous dis là, vous devez noter ce que je viens de dire. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Ah, mais le texte clair sur un fond clair, on verra donc à grossir. » C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous serez des professionnels de l'image qu'on vient travailler avec vous, qu'on vous choisisse. Si vous voulez être choisi, vous devez absolument être lisible. Arrêtez de mettre des effets inutiles sur un fond uni. Ça ne sert à rien. Vous devez être cohérent dans votre travail. Là, c'est gros, c'est normal, là, c'est en vidéo. Mais si je l'éloigne, je vais vous montrer un exemple. Si je l'éloigne comme ceci, vous voyez la différence? Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas « Ah, mais on voit encore !» Non, vous ne voyez pas. Je vais vous dire pourquoi. Le vert clair est moins mis en évidence, moins présente que le noir. Regardez bien, apprenez à observer avec votre œil. Un autre exemple, le même texte vert de tout à l'heure sur un fond noir et le texte blanc sur un fond noir. Les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que c'est lisible. Si je réduis la taille de ces deux-là, voilà, vous voyez mieux parce que vous voyez mieux le vert parce qu'il est mieux ressorti grâce au fond noir, tout comme le blanc. Est-ce que maintenant vous comprenez? J'imagine que oui. C'est aussi simple que cela. C'est une question de lisibilité. Et il n'y a rien de plus surprenant quand vous voyez ces comparaisons. Et c'est ça que vous devrez arriver à faire. Voici un autre exemple. Le texte vert clair sur un fond foncé et le blanc sur un fond gris clair. Quelle est la différence? Comme vous pouvez voir, constater à l'écran, le texte vert clair ressort mieux sur un fond vert foncé. Il est en harmonie avec le vert clair. Et ça, c'est très beau parce que ça harmonise vraiment les deux verts, les deux tons verts différents. Et ça marche très bien et que c'est correct. Maintenant, le blanc sur un fond gris, c'est incorrect. Pourquoi? Parce que la couleur blanche, elle perd sa valeur sur le fond gris. Elle est totalement illisible. Vous pouvez constater la différence. La différence, c'est que le vert foncé ressort parfaitement bien grâce au texte vert clair. D'accord? Elle le met en avant. Le fond gris, il ne remet pas en avant le texte blanc. C'est un problème de lisibilité. Donc, comme vous pouvez constater, tout de suite, automatiquement, vous voyez la différence. Vous devez absolument être lisible. Je sais que je ne cesse pas vous répéter, mais c'est important. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le bras, ici, en violet foncé, et la main en rose. Et ça ressort parfaitement avec la silhouette de la femme en orange. Ici, vous avez un texte noir sur un fond clair, le blanc. Une couleur neutre, vous voyez, ça ressort bien. Pareil, ici, j'ai mis du blanc mis en évidence et là, moins en évidence. Ce qui est important, c'est ça. Stop violence. D'accord, c'est une question de logique, de cohérence. Vous ne pouvez pas mettre ça en gros. Parce que c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre moins en avant. C'est celui-ci qui est très important. Les couleurs sont très importantes. Et en bas, un texte noir sur un fond orange. Ça ressort bien. Je ne vais pas mettre en blanc parce que ça, parce qu'il est petit. C'est tout une question de logique et de cohérence, en fait. Maintenant que vous avez compris ce que j'ai dit, je vous donne un petit conseil. Regardez autour de vous. Sortez. Allez sur le net. Allez sur Pinterest. C'est rempli de mine d'or d'informations et de sources d'inspiration. Regardez comment les gens travaillent. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et ça va vous faire toute la différence. Parce que si vous partez dans tous les sens, vous ne saurez pas comment véhiculer les couleurs, les textes, etc. Et vous serez incapable de répondre aux demandes du client. Comme on dit, l'image vaut 1000 mots.
Et ça, vous le connaissez par cœur, cette phrase. Donc, ne me dites pas par pitié, ah, je vois pas que c'est gros. Non. Arrêtez avec ça. Vous serez les futurs professionnels de l'image. Soyez cohérents et logiques. Les personnes intelligentes réfléchissent. Elles se posent des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. C'est très important ce que je vous dis là. Et je vous promets, ça va vraiment vous aider.